Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce lundi 20 avril 2020, 15h53, heure du Québec, toujours en confinement. Certains secteurs ont repris leur activité, mais lentement, on verra bien pour la suite des choses. J'espère que vous profitez des instants qui vous restent pour vous faire comme une retraite. Une retraite, une retraite fermée. Moi, c'est ce que je vis depuis au moins 3 semaines que j'ai réalisé que c'était un cadeau du ciel qui m'arrivait. Et je me suis payé une retraite fermée, un séminaire de yoga. Je suis comme vraiment dans une autre dimension et c'est extraordinaire. Je me suis détaché, et ça c'est le secret, se détacher de l'effervescence sociale, les réseaux sociaux, les nouvelles. De toute façon, il n'y a rien de constructif, il n'y a rien de positif là-dedans. Puis à tous les jours, on nous amène un nouveau lot de pseudo ceci, pseudo cela, pseudo source, pseudo début, pseudo... tellement du n'importe quoi que ça vient tellement perturber les gens que tout ce temps-là que vous l'aurez passé à être accroché à cette nouvelle qui, dans le fond, est tellement, tellement anodine dans toute la série de problèmes auxquels on est confronté. Il y en a beaucoup de problèmes auxquels on est confronté. On a des défis énormes. Mais les gens auront passé tout ce temps-là accroché à cette histoire qui, dans le fond, et rien de moins qu'une crise sanitaire. Tout simplement. Pendant ce temps-là, il y a Réjean qui m'a envoyé un lien intéressant de Futura Science qui nous dit « Quel est cet OVNI qui a été filmé passant devant la station spatiale? » Un OVNI, c'est un objet volant non identifié pour ceux qui ne le sauraient pas. Hein? Et c'est un débris spatial ou un OVNI? Et la NASA est en train d'enquêter. Je vous laisserai la vidéo, le lien de cet article-là, puis vous avez la vidéo, et vous voyez très bien défiler, on le voit ici, cet objet-là, devant la station spatiale. Régulièrement, les caméras de la station spatiale internationale filment des objets volants non identifiés, alias des ovnis, satellites, débris ou étages de lanceurs, quand ce ne sont pas de simples reflets dans les vitres. Ces images font le bonheur des ufologues. Ici, on voit un objet volant dans le même sens que la station spatiale, et un peu plus bas, et logiquement, un peu plus rapide. Rêvons un peu. Non, l'espace n'est pas rigoureusement vide, juste au-dessus de l'atmosphère. Il est même assez fréquenté, surtout par des objets créés de main d'homme. Ce peut être des satellites ou des débris spatiaux, mais aussi des étages de lanceurs en train de retomber dans l'atmosphère. Ces apparitions, plus ou moins fugaces, sont aussi parfois des phénomènes lumineux dans la haute atmosphère. Il est arrivé qu'il ne s'agisse que de reflets sur un hublot ou dans l'optique de la caméra. Qu'importe, chaque événement de ce genre fait le bonheur des amateurs d'études d'OVNI, qui voient facilement la preuve de l'existence de vaisseaux extraterrestres patrouillant dans le secteur. Mieux, la molle réaction de la NASA qui est le plus souvent « Bon, eh bien, c'est un débris comme d'habitude. » On va tâcher de voir ce que c'est, comme d'habitude, conforte les convictions de ces passionnés qui pensent fréquemment que l'agence spatiale dissimule des preuves de tourisme d'extraterrestres. La NASA est même régulièrement accusée de couper le flux vidéo au moment crucial. L'exercice d'identification est tout de même amusant, voire intéressant. Ici, on voit un objet de dimension inconnue filant à peu près dans la même direction que la fameuse station spatiale. Et un peu plus rapidement, il ne peut donc s'agir d'un avion. Sa distance est possible à déterminer, mais l'objet évolue au-dessus de la couverture nuageuse. Ceci est clairement en orbite sur une altitude qui est plus faible que celle de la station spatiale. Sa vitesse plus élevée est donc logique. En effet, plus l'orbite est éloignée de la Terre, plus la vitesse de satellisation est faible. Elle est d'environ 8 km/s au niveau de la station et de 1 km/s à la distance de la Lune, laquelle, bonne connaisseuse des lois de Newton, a d'ailleurs adopté cette vitesse. Il reste en liste 3 hypothèses, un satellite en orbite très basse, un débris ou l'ombre d'un satellite, l'éclairage des nuages indique que la lumière solaire vient d'en haut, à droite, ce qui exclut qu'il s'agisse de l'ombre de la station spatiale elle-même. Une 4e hypothèse, bien sûr, est qu'un vaisseau spatial d'exploration venu d'une autre planète soit en train d'étudier la météorologie terrestre, qui serait encore mystérieuse pour les concepteurs de cet engin. Une 5e est celle tout simplement d'un passage de Norin Rad, le surfeur d'argent, profitant des vagues atmosphériques au-dessus des formations cycloniques. Vraiment intéressant, je voulais vous partager ça, je vous laisse la vidéo, vous irez voir ça, c'est vraiment... Et la forme aussi est intéressante. Je pense que la preuve est plus à faire qu'on ait visité. Est-ce que ça, c'est
une de ces preuves-là, je ne sais pas, mais on n'a pas besoin des preuves qui proviennent des films de la station spatiale pour en être convaincu. Je vous reviens